Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous accueillir cet après-midi à la résidence de l'ambassade de Suisse. Ça fait 2 ans que je suis au Cameroun. Ce sont 2 ans de découverte des facettes multiples de ce pays, connu aussi comme l'Afrique en miniature. Je continue à découvrir le Cameroun, aujourd'hui à travers l'ouvrage sur Éric de Rosny intitulé « Culture et guérison ». Cet ouvrage est le fruit d'un travail de longue haleine, où nombreux d'entre vous présents ce soir y ont contribué et qui montre combien ce projet est international. J'ai eu la chance de connaître le père Éric de Rosny d'Ibounje depuis toute petite, quand il venait à Neuchâtel nous rendre visite à la maison et travailler avec Annelie Perret-Clermont, ma mère. J'ai le souvenir de discussions et de récits passionnants et impressionnants, parfois aussi quand le père Éric de Rosny nous racontait sa vie ici au Cameroun. Éric de Rosny est né le 13 mai 1930 à Fontainebleau en France et est entré au noviciat des Jésuites en 1949. Envoyé au collège Liberman de Douala dans la première équipe des Jésuites en 1957, il est resté très attaché au pays. Il a quitté le Cameroun que pour le temps de ses études de théologie en France et pour la direction de l'Institut africain pour le développement économique et social à Abidjan pendant 7 ans. Il a passé 4 ans chez les Nganga du littoral qui lui enseignent leur art. Supérieur provincial de 1982 à 1990, à Dakar et à Brazzaville, il a gardé sa résidence à Douala, où il a été directeur du centre spirituel entre 1990 et 2003. Il a également enseigné à l'UQAC l'anthropologie de la santé dès 1985. Il a été extrêmement honoré d'être appelé à faire partie des patriarches Douala du Beyoum Babato, dont le président, M. Ebumbubu Mokoko Samuel, est parmi nous ce soir. Et j'ai entendu parler de vous, c'est bien souvent. Éric de Rosny souhaitait que ses écrits soient regroupés et accessibles à chacun de nous. C'est donc un immense plaisir de vous présenter ce livre aujourd'hui, en double édition, chez Alphil et chez les éditions Clés. Éric de Rosny souhaitait mourir au Cameroun, ce qui ne fut pas à cause de son brusque décès en 2012. Il souhaitait surtout offrir ses travaux à ses amis camerounais. Et c'est ce que les éditions Clés permettent aujourd'hui. C'est ce que nous voulons fêter avec vous ce soir et avec sa présence bienveillante. Je voudrais, au nom du provincial des Jésuites de la province d'Afrique de l'Ouest, le père Mathieu Ndomba, vous adresser les chaleureuses salutations de toute la province. Ne pouvant pas être là, il m'a délégué pour le représenter. Nous sommes donc honorés d'être invités à cette cérémonie de présentation des 3 tomes des œuvres du père Éric de Rosny, intitulée « Culture et guérison ». Votre présence en ce lieu, mesdames et messieurs, malgré vos agendas chargé est une preuve éloquente de votre attachement au secteur du livre en général et de la culture traditionnelle africaine en particulier. Je tiens à vous réitérer mes remerciements pour cette sollicitude sans cesse renouvelée et, j'allais dire, aisément perceptible. Le Centre de littérature évangélique, en abrégé CLÉ, est une association philanthropique à but non lucratif, reconnue d'utilité publique au Cameroun, créée par les églises protestantes du Cameroun, du Bénin, de la République démocratique du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Rwanda et du Togo, ainsi que par
l'Alliance biblique du Cameroun et la Conférence des églises de toute l'Afrique, CETA, avec l'appui bien entendu des églises protestantes allemandes et hollandaises. Les éditions clés ont pour but premier de faciliter la production et la diffusion de la littérature chrétienne, à révéler au monde le talent et le génie créateur des Africains et à faire de la culture et de la pensée le socle et le catalyseur du développement tous azimuts du continent, le continent africain, cela s'entend. C'est dans ce dernier registre que s'inscrit notre dernière publication, Culture et guérison, du père Éric de Rony. J'aimerais donner la parole maintenant à Alain Corta. C'est un grand plaisir pour moi de partager ce moment du vernissage ici à Yaoundé. En tant qu'éditeur, nous nous sommes donnés pour mission de partager le savoir, au plus grand nombre si possible. Aussi, grâce à la collaboration avec les éditions clés, nous avons pu atteindre cet objectif, soit que le savoir d'Éric de Rony soit aussi publié ici au Cameroun. Éric de Rony y tenait beaucoup et cela faisait partie de ses dernières demandes. Il a demandé à Anneli Perret-Clermont de terminer l'ouvrage qu'il avait commencé et il lui a vraiment demandé de le publier en Europe, mais surtout il lui a dit « Faites en sorte que cet ouvrage soit aussi publié au Cameroun. Je dois tellement au Cameroun que je veux que ses écrits retournent là-bas. » Éric de Rony a été un passeur entre plusieurs cultures et plusieurs continents. Et en faisant revenir ses écrits ici, nous nous inscrivons dans ses pas et nous en sommes très fiers. Et nous pouvons que le remercier de nous avoir fait voyager ainsi et découvrir d'autres choses. Et nous l'espérons pouvoir initier des collaborations avec les éditions clés dans le futur pour des projets qui pourraient être diffusés sur les deux continents. Merci à vous tous qui avez travaillé à cet ouvrage de différentes manières, en tant qu'éditeur scientifique, en tant qu'auteur des préfaces, des introductions, des regards. Ça a vraiment permis de réaliser cet ouvrage. Et puis, les introductions que vous avez réalisées apportent vraiment, nous aident vraiment à entrer dans la pensée d'Éric de Rony et on ne peut que vous remercier. Je voulais aussi à nouveau remercier M. l'ambassadeur Martin Schroub pour son accueil à la résidence de l'ambassade et pour l'organisation de cette soirée. Bonne soirée avec Éric de Rony et bonne lecture. Je vais donner la parole à M. Ebumbu Mukoko Samuel, le président des patriarches Beyumba Bato. Merci à toute l'assistance. Paul Sopo Piso était, je ne sais pas comment, un fils spirituel du chef Tukuru, du chef Dibunye Tukuru. On met le collège en place. Le chef ne peut pas entrer au collège parce que nos statuts, nous ne cooptons pas les chefs. Mais il fallait quand même que l'image, que l'idée du chef plane au collège des patriarches. Tous les Camerounais qui étaient là, ces jeunes intellectuels, notamment les universitaires, avaient à peine 45 ans. Or, il fallait à l'époque avoir 65 ans pour être recruté. Maintenant, c'est 70 ans, maman. Moins de 70 ans, vous êtes encore bébé. Alors, de Rony, Éric de Rony parle voilà. Il est imprégné de la culture sawa. Il a tout. Et il est le seul qui approchait les 65 ans. Je ne sais pas si c'est Paddy Bounge, le chef, ou c'est le Paul Sopo Piso qui a pris l'initiative pour dire que, ben, on a qu'à le mettre, puisque lui répond à tous les critères. Voilà de vous comment les choses se sont passées pour qu'il se retrouve donc à être Yumamoto chez les Sawa. Il me disait à son dernier Ngondo, c'est son plus grand rêve, voir la maison de la culture Sawa à Douala. Ça a été réalisé au mois de décembre, le prince Douala avec nous en parlons.
Nous passons au moment de la parole aux auteurs. En tant que troisième coéditeur de l'ouvrage, je m'exprimerai ici, comme l'a dit Laure-Emmanuelle auparavant, au nom des professeurs Amélie Perret-Clermont et Jean-Daniel Moreiro, qui n'ont malheureusement pas pu entreprendre le voyage. Éric Doreny Dibounjé a vécu à cheval entre de multiples univers. Français d'origine, mais douala d'adoption, chrétien jésuite, mais avec les yeux ouverts, et Beyoum Babato. Chercheur intimement impliqué sur son terrain, mais aussi président dans les colloques, présent dans les colloques universitaires à travers le monde, ce fut un véritable passeur de pont entre les cultures et des croyances très éloignées entre elles. Son intention première a été de comprendre ses étudiants, et son étonnante curiosité de l'autre l'a mené à travers un véritable parcours initiatique ici au Cameroun. On peut donc lire ses textes indépendamment de leur ordre chronologique en fonction des thèmes qui nous intéressent, mais les lire les uns après les autres nous permet de cheminer à travers les réflexions subtiles de leur auteur en vivant soi-même une véritable expérience initiatique. Celle de la confrontation aux grandes questions de l'existence, la mort, la souffrance, la famille aussi, la mémoire collective, la violence ou encore l'espoir. Ce recueil est donc un trésor, non seulement pour comprendre l'univers très riche dans lequel il vivait, mais aussi pour se comprendre soi-même. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur l'ambassadeur de Suisse au Cameroun pour l'invitation à la présentation de l'ouvrage « Culture et guérison » du père Éric Doreny, qu'il a bien voulu m'adresser. En effet, si je devais dire quelques mots, ce serait plutôt en ma qualité de l'un des gardiens de la culture sawa à l'endroit du père Doreny, dont le milieu culturel sawa est devenu le sien. Car, comme certains d'entre nous ne le savent pas, le père Doreny, de par son implication et son investissement dans la perpétuation de notre culture, avait été anobli par le Ngondo, mais ça a été relaté avant moi, en tant que Eyumamoto, patriarche. C'est donc pour ce digne fils sawa qu'il me plaît non pas de faire un plaidoyer, mais plutôt de rendre un hommage appuyé, car ses œuvres démontrent spirituellement à suffisance son appartenance culturelle à notre peuple. C'est un honneur de me retrouver ici pour prendre la parole. Je ne cacherai pas mon émotion de voir Alain Renard, en me souvenant très bien des moments que nous avions passés à la maison Saint-François-Xavier avec le père Maïra Hebga, et plus tard avec le père Éric Doreny. Par contre, je serais porté à dire qu'il y a des différences de type anthropo-cosmologique. Si l'on accepte le mot, l'on peut être pleinement adopté par les membres d'une culture donnée et garder sa cosmologie et la cosmologie de son ascendance et de son enfance. Et il dit, pour mieux me faire comprendre, j'en reviens à l'image du fleuve en inversant la parabole du en inventant la parabole du nageur et du marcheur. Le nageur, c'est l'Africain, né africain, qui descend le fleuve tranquillement à la nage vers la mer. Moi, je suis le marcheur qui longe le même fleuve le long de la rive, en avançant à la même vitesse que mon frère, le nageur, ce qui me permet de le prévenir. Fais attention, devant toi, il y a un tronc d'arbre flottant qui dérive vers toi. Prends davantage sur ta droite. De cette façon, nous nous complétons. Je lui suis utile et j'ai une raison d'être à ses côtés. Il me semble que je le rassure sur la validité de sa culture en montrant la cohérence au moment même où il tente, mais en vain, de la quitter pour accéder à ma propre culture. Nous suivons des chemins différents, apparemment inverses, mais nous connaissons de concert le même inconfort inévitable, celui du transit culturel. C'est là que j'ai pris le mot de mon article. Nous sommes dans un inconfort du transit culturel. Fin de citation.
Merci. Intervenant comme auteur, co-auteur du livre qui nous rassemble, je vais d'abord vous exprimer, monsieur l'ambassadeur, ma reconnaissance en tant qu'Africain. Ensuite, en tant que proche d'Éric de Rony, électeur de Culture et Guérison, et à l'adresse de tous vos invités, je vais souligner quelques aspects, à mon avis, dignes d'intérêt et qui méritent qu'on achète ce livre. Des aspects liés à la vie et à l'œuvre de l'homme, et qui sont contenus dans ce livre. Nous arrivons donc au moment où je revais ma casquette d'assistante marketing et où je vous présente donc les trois livres. L'œuvre d'Éric de Rony, Culture et Guérison, que nous avons réussi à déployer en trois tomes. Comme disait le docteur Noug, nous allons proposer les trois tomes aujourd'hui pour la somme de 30 000 francs. Je pense que ce n'est pas grand-chose par rapport au contenu, par rapport à l'homme qui était Éric de Rony, par rapport à tout ce que nous avons entendu et dont nous souhaitons prendre la pleine mesure. Donc, je vous invite à me rejoindre lorsque vous le souhaiterez pour rentrer en possession de ces livres que M. Jérémy Leblanc dédicacera en tant qu'auteur présent juste à cet endroit. Il me reste que à remercier à tous les orateurs de cet après-midi pour leur contribution. Et comme vous avez dit, je pense Éric de Rony, depuis le ciel, il serait très content de vous voir tous ici et de parler de son œuvre. Et moi-même, je suis aussi touché par la profondeur de son œuvre. Donc j'ai découvert quelque chose. Et si le thème du livre, le sujet ou le titre du livre, c'est culture et guérison, j'ai aussi appris que c'est culture et guérison en pluriel. Donc il n'y a pas qu'une seule culture, une seule guérison, mais c'est le pluriel. Donc merci beaucoup d'être ici, d'être venu. Et donc une autre chose que j'ai appris au Cameroun, et comme j'ai dit au début, je continue à apprendre tout d'abord aussi mes excuses, parce qu'en tant que Suisse alémanique, je prononce le nom de Éric de Rony comme Éric de Rosny. Mais donc j'ai appris comment ça se prononce. L'autre chose que j'ai appris ici, c'est qu'on sert de l'eau après un tel événement. Donc il y a de l'eau derrière pour tous les participants. Merci beaucoup.